Hello YouTube, comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui c'est une ouverture de bal, une toute petite. J'ai reçu un gentil courrier de la part de Roxane et je vais vous présenter parce que j'ai tourné la vidéo, sauf que la vidéo était très longue, donc j'ai pas pu la monter sur mon portable, il a fallu que je la monte sur mon PC, sauf que sur Filmora, le format de mes vidéos, elles sont toutes rikiki. Donc je ne pense pas que je vous mettrai le process de ce carnet. Par contre, je vais en refaire un pour une copinette. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous le fasse en vidéo. Et du coup, je le travaillerai sur mon portable et je le balancerai directement sur YouTube au lieu de le transférer sur mon PC. Parce que c'est tout un bazar. Bref, donc je vais d'abord commencer par le courrier de Roxane, qui m'a envoyé une carte patouille avec, elle a fait ça avec du pochoir et je pense avec de la peinture acrylique, sur lesquelles elle m'a collé des petits stickers animaux du cirque. Là. Et elle m'a fait tout un petit assortiment de... avec ce même papier en fait. Elle m'a fait un marque-page. La petite tortue, elle est trop chouquette, j'adore. Là, c'est une memory dex. Il faudra juste que je fasse les petits trous. Ça s'appelle le cirque. Ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. J'en ai jamais fait, ça ne me plaît pas. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Ce truc, ça me... Je sais pas. Est-ce que c'est les trucs trop carrés, là, comme ça? Je ne sais pas. J'en ai pas encore fait de ça. C'est des... AT quelque chose avec une lettre derrière, je sais plus, je me souviens pas. Ça c'est le cirque, peut-être qu'elle le met en marque Roxane. Non, mais c'est la une sur une. Non, elle me met pas ce que c'est. Oh merde, crotte, j'ai un trou, ça me saoule. Une AT. Une ATS, non, ça c'est ça l'ATS. Oh, je sais plus. Bon, bref, vous savez ce que c'est. Donc là, voici une ATS avec deux petites turtles et des cadeaux de Noël. Elles sont trop trop mignonnes. J'aime beaucoup ces petits stickers. Je sais pas où tu les as eu, mais ils sont très mignons. Et c'est le cirque également. Et là, c'est l'ATC avec la petite girafe et l'écureuil. Et c'est le cirque également. Et c'est la une sur une. Ensuite, Roxane m'a fait plein de petits tamponnages. Donc là, on a un ballon. Là, on a un petit cat avec des antennes étoiles. Là, on a un petit chien. Oh, j'adore la grenouille. Excellent. Ah, celle-ci aussi, j'adore. Les tampons grenouilles, ils sont juste trop trop cool. J'aime beaucoup. Là, on a un toutou. Là, on dirait qu'on a un lion en robe avec un gâteau d'anniversaire. Et là, on a encore un petit minou. Et ensuite, elle m'a mis des petits embellissements en pâte, là, vous savez, en pâte. Waouh, j'adore. Une trop trop belle tortue de mer. Elle est excellente. J'adore ton moulage. Si tu passes par là, Roxane, tu me diras où tu l'as chopé ton moulage. Là, on a un petit chien. Un chat. Là, c'est un petit lapin. Encore un petit cat. Oh, ils sont trop jolis. Ils sont très très beaux, tes petits moulages. J'aime beaucoup. Là, on a un nounours avec son chapeau de fête. Et oh, tu focus ou pas? Voilà. Et puis là, on a un petit écureuil. Trop mignon. Écoute, Roxane, je te remercie beaucoup pour ton petit courrier. Ça m'a fait très plaisir. Hop là, je vais tout remettre dedans et puis j'ai rangé. Hop là,
Merde. J'irai ranger après. J'ai plein de vidéos à faire. Je sais pas par où commencer en fait. Hop là. Bon, et maintenant je vous montre mon carnet de cet été. Alors, il y avait deux carnets. J'ai viré le premier. Je vous montrerai juste la couverture, mais j'ai viré le premier parce que bah, il y a des trucs écrits dedans. Donc, bah, j'ai clippé pour que vous ne voyez pas, bien sûr. C'est perso. Et ça, en fait, c'était un défi que bébé m'avait fait. Elle m'avait fait une enveloppe défi avec ce tissu, avec ces petits rubans-là, comme ça. Il y avait les petits poissons, il y avait la sirène qu'il fallait que je colorise, il y avait plein d'autres petits tamponnages. Hein. Il y avait le petit truc journal intime, il y avait cette étiquette, il y avait cette encre marine et tout et tout. Et donc j'ai fait ça comme carnet. Hop là. Voilà. Donc en fait, la couverture, elle est en feutrine et j'ai collé dessus. Il y avait ça aussi que j'ai mis. Et du coup, j'ai collé dessus du tissu, enfin le tissu qu'elle m'a donné. Donc voilà ce que c'était mon projet défi qu'elle m'avait lancé avec son enveloppe. Ça fait un bail hein, qu'elle me l'avait lancé. Alors, en même temps, ce projet, je l'ai fait au mois de juillet, début juillet. Mais bon, vous l'avez que maintenant, hein, c'est pas bien grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Je sais plus. Oui, donc si vous voulez qu'on fasse une couverture de carnet, que je vous montre comment faire cette couverture de carnet, ben, vous me le dites, parce que je dois en faire un pour une copinette. Et du coup, ben, si vous souhaitez avoir... voir comment je fais, et ben vous me le dites et puis je vous le ferai en vidéo. Et j'avais aussi, oui, j'ai oublié, je vois les petites paillettes, j'avais aussi des paillettes, elle m'avait mis deux tubes de paillettes vertes que j'ai mis par-ci, par-là, parce qu'au début je voulais en mettre partout sur ma feutrine. Je sais pas si j'ai gardé le... Je l'ai eu pendant tout un moment, mais je sais pas si je l'ai gardé. J'avais fait sur un petit bout de feutrine, j'avais essayé de faire, mais en fait... Une fois qu'on le pliait, ça craquait de partout. C'était vraiment pas joli. Donc, je me suis dit non, mais fais comme ça, en fait. Donc, je vous montre mes carnets. Mes carnets, je les ai faits ben, sur du papier noir. Sur lesquels, j'ai fait des pochoirs avec des pochoirs qui viennent de chez Action. Et en fait, j'ai colorisé de la pâte avec ça, là. Avec mes hop là, hein, voilà, comment ça s'appelle, je m'en souviens plus, bah, le pigment en poudre, quoi, hein, ceux-là, c'est les Magic Pen, voilà, donc j'ai pris celui-ci, d'ailleurs, j'avais pris le fuchsia, et puis, en vert, je me souviens plus, est-ce que j'ai pris le 13 Art, le turquoise, ou est-ce que j'ai pris l'Emerald with Gold. Non, je crois que j'ai pris celui-ci. Il me semble que j'ai pris celui-ci. Je ne me souviens plus. Parce que comme je vous dis, ça fait 2 mois que je l'ai fait. Donc, je vous avoue que je ne me souviens plus. Pour le rose, c'est sûr, c'est lui. Après, pour le vert, j'ai un petit doute. Mais il me semble que c'est le 13 Art, le turquoise de 13 Art. Il me semble. Que j'ai mélangé à ma pâte de structure faite maison. Hein, que j'ai fait... je l'ai faite quand ? Ben, je l'ai faite au mois de mars. Je vous montre comment elle est. Je vais mettre le doigt dedans ou pas? Non, je vais pas mettre le doigt dedans. Je vais juste prendre une spatule. Je l'avais faite au mois de mars parce que j'étais tombée en rade en plein durant le confinement. Donc, je l'avais fait fin mars, celle-ci. En plein durant le confinement, j'étais tombée en panne de pâte de structure. Mais vous pouvez le voir. Hein, je crois que vous le voyez très, très bien. Hein. Elle est nickel chrome. Hein. Voilà. Bon, j'aurais juste à aller nettoyer ça après, quoi. Bref. Donc, stocké dans un truc hermétique, elle tient hyper bien la route parce que ben, vous voyez, ça fait six mois qu'elle est faite, elle n'a pas bougé. Hein. Elle est vraiment encore très très bien. D'ailleurs, je vais m'en servir tout à l'heure pour faire une page de art journaling que je ne ferai pas avec vous, mais que vous pourrez voir sur Facebook, sur le groupe Evan Scrap. Donc voilà mon premier carnet.
Je trouve ça super joli. Et du coup, j'ai gardé ma pâte et... Hop là, attendez, je vais vous montrer. Hop là, vous voyez ? Ce sera pour... Alors, je ne sais pas encore quoi. Mais voilà. Et là, c'est le... Ben, en fait, c'est le comment dire ? Ah, crotte, je vais pas y arriver. C'est le squelette, en fait, de mon pochoir. Et puis, sur celle-ci, eh ben, j'ai fait... Donc, vous voyez les petites tortues de ce côté. Et la feuille de ce côté. Voilà. J'ai juste fait une petite pochette. Parce que dedans, j'y ai glissé ben, mes tickets de caisse et tout et tout. Et du coup, bah ben, voilà. Donc... Je vous présente la couverture. Moi, j'aime bien ce système de couverture parce que c'est quand même vachement bah, vachement souple. Et je trouve ça pas mal du tout. Je trouve ça vraiment pas mal du tout. Puis ça s'abîme pas, quoi. Ça s'abîme pas parce qu'on peut le trimballer partout et ça bouge pas. Enfin, il n'a pas bougé du moins. Donc, voilà mon carnet. Bah, c'est un petit carnet TN, en fait, hein, grosso modo. C'est... Voilà, hein, parce qu'il y a le... Bon, c'est pas la fermeture du TN, on est bien d'accord là-dessus. Là, c'est plus fermeture carnet, mais le système de reliure des carnets, voilà, c'est typiquement TN. Donc, et ben voilà pour ce qui est de mon... de ma création pour mon carnet d'été. Je vais y arriver, je vais y arriver, ne paniquons pas. Et bah, c'était un défi qui venait de bébé. Ah oui, elle m'avait mis aussi ces petites demi-perles là, que vous voyez ici. Elle m'avait mis des petites demi-perles, donc j'en ai mis là. Et puis voilà, j'ai tout utilisé ce qu'elle m'avait mis. Elle m'avait mis, comme je vous dis, le tissu, les deux rubans là, l'étiquette, le journal. Je ne sais pas, remarque, le journal intime, j'ai un doute. Je ne sais pas si c'est elle qui me l'a donné ou si c'est moi qui l'ai mis, je ne sais plus. Les petits tamponnages, les petits poissons en bois, l'encre à laquelle j'ai laissé la ficelle parce que je trouvais ça trop joli. Les paillettes que j'ai mis un petit peu partout. Voilà. Bon, bah écoutez, si ça vous intéresse que je vous fasse, enfin que je fasse avec vous une structure, enfin une couverture d'album, pas d'album, enfin si on pourrait faire un album, hein, d'ailleurs tout pareil avec, cette couverture-là, ah, d'ailleurs c'est une idée, ouais c'est une idée, pas tout de suite l'album, mais si vous voulez que je vous fasse un carnet avec une couverture souple comme celle-ci, et ben vous me le dites et je le ferai volontiers avec vous. Sur ce, on va se quitter sur une pensée positive qui, aujourd'hui, sera la joie donne des ailes. Je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao !